Network, des excellents casques PDP Gaming. Exactement, et c'est en Ken, c'est parti. Juni contre Junior Léo, les petits amis. Juni contre hey. Junior Léo. Oh, le Ken contre Ken, il va être sanglant. Hein. Ah oui, complètement sanglant à mon avis. Ah, il y en a un qui est en Devil May Cry. Ouais, Junior Léo qui est en rouge, hein, on rappelle, hein, Juni qui est en 1. Et ça commence tous les deux par Juni. En fait, c'est Juni contre Juni, Orléo. Orléo. C'est Orléo. Il y a Juni, il y a Juni d'Orléo. Ouais, mais l'autre, il est Orléo. Il est Orléo. Mais quoi. C'est Juni qui est Orléo. Voilà, c'est parce Juni ou Juni il a Orléo. Que Juni tout court. Bah ouais, c'est. Donc, il aurait pu être. C'est quand même plus Juni tout court. Juni tout court, mais l'autre, c'est Juni. En tout cas, c'était Orléo. Juni. Quoi que ce soit, tu joues Ken. C'est obligatoire. Oh. Ouh là là là. Ah, très bon bas gros point, hey, run cancel, hey, et vas-y, hey. Il va le pousser jusqu'au coin. Junior Léo ici qui est bon pour mix-up. Oh, j'ai peur. Avec chop ou pas chop, et c'est lui qui s'est empalé dans le bas moyen pied. Oh là là, il a voulu punir. Un Furious Kick, oh il a bien varié avec l'overhead. Magnifique cette lucidité. Ah, il est bon dans les variations. Hein. Dans les variables. Il est très bon. Oui. Il a joué tout ce qu'il a pu. Ça dash avant. C'est qu'il a la course gratuite lui, pourquoi il a besoin du. Comment ça, du drive rush? Ouais, il a pas besoin du drive rush, lui. Il court gratuit. Un petit pointu. Ouais. Le pointu qui est gardé avec Junior Léo, hein, qui est toujours en avance hein, sur ce round là. Hop là, Dragon Tail, ouais. On backdash. Hein. On sait jamais. Et un bon confirme là-dessus qui met jusqu'au coin. Parfait pari de la boule, mais ça n'aura rien eu comme conséquence. Oui. Voilà, surtout pas le laisser ici. Au coin et la saut verticale va petit pied. Voilà, c'est bien joué ce qu'a fait Junior Léo. Hey. Mais il a quand même pris un contre sur son mix-up. Et dès que tu prends un combo. Oh, attention à le level 3. C'est la mort. Il n'y a pas de choix dans la vie. Tu meurs ou tu meurs. 1-0. Attention. Le Juni peut revenir à tout moment. C'est en 3 matchs gagnants. Ouh là 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 là. Ah, la précision. Ouais, dans le décalage bas petit point ici, conteste. Oh, c'est passé. Très bien. Il va falloir commencer à envoyer les pifs, les amis. Ah, Juni joue très propre hein, sur sa relevée. Il vient pas essayer de taper Mitty. Il veut pas risquer de prendre un Dragon X. Ouais. Donc, il conserve bien son avance. Nature. D'ailleurs, il check pas ce Drive Impact. C'est fatigant de checker tous les Drive Impact. Hein, ouais. Léo, ça bourre les paris parce que ça essaye de le mettre. Voilà, merci. La variation Furious Kick. Et c'est Junior Léo hein, qui décoche le premier pif. Ouais, bah parce qu'il est en avance. C'est très, très bien joué tactiquement. Il attention, mène d'un match. Attention. Selon le théorème du Pyphagore, c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Mais là, il est burn-out. Il est en plus en position de coin. Mais pourquoi il essaye de taper derrière Dragon Tail? Incompréhensible. Bah, parce qu'il est en burn-out. Du coup, il y a moins de Blockstone. Du coup, il s'est peut-être dit. Pas du tout, c'est toujours le même Blockstone. Hop là! Mais quand t'es en burn-out, ça change. C'est quand tu donnes le coup, quand tu prends les coups que ça change, mais quand tu les donnes, non. Il y a deux écoles là. Ah ouais? Ou attention. Hop là. Tatsumaki Senpu. Non, Tatsumaki Senpu dans la gare là. Peu importe, et le mix-up de Junior Léo qui ne veut pas confirmer son stand moyen point, c'est pas grave, il retourne à l'attaque avec ce drive rush. Oui. Il restera. Oh, les dash avant comme sa nature. Et il rate quand même quelques. Le pari. Hey. Il a fait pari, il n'y aura pas de reset. Ouais, et il n'y aura pas de dégâts aussi. C'est pour ça. Et il va. Oh, d'accord, il fait drive rush pour dragonner quand même dans l'autre sens et garder le pif. Bravo. Voilà, Junior Léo, il était de tous les mind games. Hein. Ah ouais, là, il avait tout option select. Hein. Je pense qu'il a mis le bouton magique là. Hein. Ah ouais, c'est méga risqué. Hein. Ah, mais c'est ouf, il a couru dans un sens, il a dragon dans l'autre. Ah oui, le whiff punish, oh, il est vite. Il a pas le temps, Junior Léo, là, il est très agressif. Et on s'envole encore avec une level 3. Faya de relève. Attention, ça, on se regarde. D'accord, d'achèvement bas petit point. Bah, écoute, il a le droit. Hop, il met pas la max. Allez, Juni, c'est le moment de te réveiller avec Drive Rush bas petit pied, bien sûr. Il a raté. Ah, dommage là, il a tenté un whiff. Il a un énorme avantage positionnel, il va pouvoir mettre Drive Impact tranquille. Oh non, il rate le loop de Furious Kick. Oh non, ça c'est cadeau. Vraie punition, double stand moyen point, triple stand moyen point. Bon, il a essayé de maxer les dégâts, par contre, je sais pas si ça sera suffisant. Non, ça tue pas.
Alors, il ne peut pas se relever en trop de pif là, mais il a l'avantage du burn-out. Oh non, il va lui laisser. Ah, il va lui laisser. Ah, il laisse la pression ici. Ça joue un seul dragon, ça joue un seul dégât de grattage. Ça n'a pas su. Eh oui, le grattage n'a pas été suffisant à partout. La vie est faite de choix. Merci, tonton. De rien. Merci. On aura. On apprécie, évidemment. Toute cette histoire. Et on apprécie le fait que Junior Léo soit quand même mis en difficulté par Juni ici. Parce que lui, il n'a pas besoin de hors Léo. Il est tout seul. Ouf. Après, bon, qu'on soit petit pied, ça dit non dans le public. Mais il n'y a pas à dire non. Hein. C'est comme ça, c'est rentré, c'est rentré. Et oui, Junior Léo, il sort. Et bien sûr qu'il le mixe. C'est derrière Shop ou pas Shop. C'est pas Shop. Il préfère Chimie. La garde, elle est excellente du côté de Juni. Bon dragon, vrai. Ok, allez, c'est parti. On va pouvoir remettre les mix. Ah, allez, d'accord. Ça a l'air pas si simple que ça à mettre ce combo. C'est bizarre le timing sur le jeu-jeul. Et là, hop. Ah bon, bah punish counter, c'est la mort. Salabada. Et plus de drive, plus de vie, plus rien. Elle est mise au sol de façon très violente. Il est mis au sol, bah on va au sponsor. Hein. Et oui, trust. Crois-moi, il l'a mis au sol. Très bien. Très bon dragon encore de la part de Junior qui a l'avantage positionnel mais qui a bien du mal à rentrer ici sur Juni. Bonne défense hein, quand même, hein, le joueur de Ken. Il joue tout de Ken, mais voilà. Exado. Et le Dragon Tail, counter hit hein, qui permet de comboter. C'est ça qui est beau. Toujours les links au bon moment. Junior qui essaye de décaler Stanley Punch. C'est la deuxième fois qu'il essaie de décaler Stanley Punch. Mais finalement, il confirme pas. Pas moyen pied. Je pense pas que ça tue. Mais il va être un mind game de la mort là. Attention au pif de relevé. Il n'en aura pas. Oh, il s'est léché péché. Il l'a fait, il l'a tenté. C'était bien vu parce que là, même s'il mangeait le pif, il n'était pas mort. Donc, belle gestion du risque reward là de Junior Léo. Qui mène 2-1, tu vois, c'est pour ça qu'il fait 2 avec les mains. Quand tu mènes 3, il fait 3. Ah, pas mal. Tu savais pas ça. Belle remarque. Très belle remarque. Son jab, Stan High Kick et Stan Gros Pied. Et malheureusement, le dragon qui passera pas. Ouais, le Tatsumaki aérien de Ken qui est vraiment, vraiment dur à en tirer. Oh les dégâts. Voilà, Juni, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Oh, en plus, il a un avantage positionnel de ouf. Petit pied chop. Voilà, c'est terrible là, ce qu'est en train de prendre ici Junior Léo. C'est des PA. Dommage, il a pas combo. Ah, dommage, il a pas confirmé. Il avait eu raison. C'est vraiment burn-out. Ou d'accord, ok. Il s'est empalé dans un égal gros point. Et non, encore un pari mal utilisé. Excellent jeu de Juni. Bien spacé là. Oh, ce gros pied de Daron qui lui a mis. Ah, il a vraiment, vraiment bien joué. Ah, c'est la savate française, hein, je la reconnais celle-là. Ouais. Oh, oh c'est le premier du tournoi, je crois. Le drive reversal. Ouais. Ah ouais. Non. Ah, oh, il l'a paré tellement je t'ai mindé. Voilà, l'avantage psychologique, il est du côté de Juni. En plus, il y a les bons anti-airs. Les run stop, ils sont quand même sur une double touche. Et il a récupéré l'avantage positionnel. Junior Léo, malheureusement, il a plus de super. Il a plus rien. Voilà, il va se faire empaler. Il va se faire empaler, il va se faire empaler. Ça sent 2-2. Avec le combo simple. Hein. Run Dragon Tail, super. Shimpu Jirai Kaku. Oh là là, 2-2. La 3-3 hein, pour faire plaisir à Sam. Ah là 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 là. C'est serré. C'est 2-2. Serré. Alors, est-ce que Juni ou Juni Orléo va remporter ce match? Oui. Ça va être compliqué, mais peut-être celui qui aura la meilleure agressivité ira ensuite dans le top 6. Ouais, Dragon Tail, il a même pas voulu chercher. Ça, c'est une bonne réponse. Derrière, tu fais pas un petit point, tu bourres parce que tu sais que le mec il va taper quasiment tout le temps. Très bon whiff finish de Junior Léo. Ça fait mal hein, ce target combo hein, quand même, hein, je trouve. Il fait vraiment des bons gros dégâts. D'accord, run low. Après, pour mixer les run overhead, le run low ça marche toujours. Il l'a poussé jusqu'au coin, Juni. Et là, il a un mix-up. Voilà, de la balle de match, bien sûr. Le fameux drive impact qu'on ne verra plus au bout d'une semaine. Bien sûr. Bah oui, c'est visible. C'est trop facile. Tu suffis de drive impact dedans. Trop simple. Des chops. Ouh là là, Junior Léo, là maintenant, il est dos au mur là. Son tournoi se joue maintenant et il a décidé de prendre les choses en main. Il attaque et là le combo qui passe. Oh oui, bien joué le chimie. La carotte de la chope. Un. Ah là. Oh oui, oh, bien joué avec ça. Donc, Ken, c'est le punch, c'est frame trap. Oh là là.
Oh, c'est bon, il a réussi à sortir du coin. Oh, Juni qui s'est fait traumatiser là dans le coin. Il faudrait qu'il réussisse à conserver ses barres. Si Junior Léo conserve ses barres, c'est plutôt une très bonne place. Oh, oui. La plaque dans le vent. Oh là là, ah, il a pas une super. Oh, il est fidèle à ses idées, hein, Juni. Ouais. Hein. Dragon, bien sûr. Évidemment. Faut pas faire cadeau comme ça. Évidemment. Balle de match des deux côtés, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est Juni ou est-ce que c'est Orléo? On ne sait plus. Qui va remporter en tout cas ce match pour le top 6. Junior Léo avec avantage positionnel, c'est lui qui perd ce premier sang. Et il piffe offensivement. Ah ouais, mais il est chop dingue. Ou pas chop. C'est la punch, pas counter hit. Et du coup, il y a le target combo qui est unsafe et qui se fait punir punish counter. Oh là là, le stand de... Avec la chop de Juni. Drive rush passé tout dans le vent. Il y a un whip punish derrière. Avec la max. Oh, il met pas la max. Attention. Attention, on confirme. Ah, qu'est-ce qu'il met? Son gros point. Oh, Dragon Tail. Dragon. Le mix-up une ouverture, c'est mort. Des deux côtés, une ouverture, c'est mort. La max. Une ouverture, c'est mort. Oh là là. Juni. Victoire de Juni. Ah, il avait qu'une chose à faire, là, Junior Léo. Il était dos au mur, fallait balancer la max à la première embrouille parce que derrière, c'était sûr qu'il a mangé Drive Impact. Limite là le... Ah, le Drive Impact était culotté. La limite, le burn-out, c'était un avantage parce que c'était sûr que l'autre allait vouloir taper et le pif était quasi garanti. Aïe. Il aurait fallu envoyer, hein. Ça c'était dommage.